aveugle. Je suis flou? Oui, t'es flou. T'es mon metteur. Et toi, tu vois rien, t'es derrière la caméra. Bah, moi, je suis méthode. T'es flou. Là, t'es moins flou. Ah, là, t'es pas flou. Merci, mon assistant personnel. C'est dur là. Je me prépare à tourner, mais il y a mes neveux. Du coup, je me prépare à ma future vie de maman. Est-ce que tata, elle peut filmer tranquillement? Oui. Bon, je sors d'ici et introduis ma vidéo, sinon on s'en sortira pas. Waouh, ça fait une éternité qu'on s'est pas retrouvés. J'ai été très malade, très fatiguée, mais ça va beaucoup mieux et je suis trop contente de revenir sur YouTube. Ça m'avait grave manqué. J'avais trop peur en fait aussi de revenir. Je me disais que vous allez gravement vouloir, mais en vrai, quand je vous ai dit sur Insta que j'étais malade, vous étiez hyper compréhensifs. Et je suis de retour en étant brune et en ayant 27 ans. Puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez mes amours, c'est mon anniversaire. Pour ceux qui ne le savent pas et qui ne me l'ont pas souhaité, bah le karma s'occupera de vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Mes meilleurs vocalistes pour le jour de mon anniversaire. Aujourd'hui, nous allons faire cette vidéo où je vais faire un dîner presque parfait d'Halloween avec mes amis. Parce que comme vous savez, je suis actuellement en vacances à Dubaï et que je ne peux pas fêter Halloween avec mes amis. Et non plus mon anniversaire entre guillemets par la même occasion. Donc j'ai décidé de tourner cette vidéo en amont et de préparer une soirée d'Halloween extra, giga, méga... effrayante. En tout cas, des bonbons ou un sort, on verra ça tout au long de la soirée. Mais avant ça, pour préparer cette soirée d'Halloween au niveau de la déco, etc. et même de mon costume que vous allez voir tout à l'heure, sachez que moi, j'ai commandé sur Letty Shop. C'est un site de cashback. Les sites de cashback, je vous en ai parlé maintes et maintes fois puisque moi, je fais partie de la team crevard, de la team radin. Et dès que je commande sur internet, si je peux avoir un code promo... vraiment, c'est... j'adore. Vous savez que le cashback, c'est ma passion. Je dirais même ma raison de vivre. Les codes promo, c'est mon quotidien. Je vous en propose sur Insta ou sur YouTube. Mais moi-même, j'utilise ces codes promo. J'ai envie de vous dire qu'on peut avoir une petite réduction. Pourquoi pas, franchement. Pourquoi dire non? Et du coup, Letty Shop, c'est un site de cashback que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Mais qui existe, lui, depuis 6 ans. Donc, vous avez une certaine sécurité. Il est bien ancré dans le monde du cashback. Et c'est un des best cashback que j'ai utilisé la dernière fois. Je vous ai dit que c'était le meilleur, mais franchement, depuis que j'ai connu Letty Shop, c'est vraiment le best parce que vous avez en fait des codes promo qui sont boostés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait mes achats sur Conforama et Boo.com. Donc franchement, ça vaut le coup. Moi, ça m'a grave permis de reprendre de l'argent par rapport aux achats que j'avais fait et je suis très contente parce que comme je vous ai dit, la richesse, elle se fonde sur des petites économies. Franchement, il n'y a pas de petites économies. On ne dira jamais qu'une économie n'est pas bonne. Enfin, personnellement, moi, je kiffe faire des économies. Le cashback, clairement, comment ça marche? Vous allez faire un achat sur un site. Une fois que la commande est expédiée et validée, vous allez recevoir un pourcentage sur Letty Shop qui correspondra au pourcentage de cashback. Ça veut dire si vous avez un cashback de 18%, on va vous rembourser 18% de votre addition sur Boo.com par exemple. Qui est bien avec Letty Shop, c'est qu'ils travaillent avec plein de marques que j'aime, dont Boo. Je vais pas vous dire que j'aime forcément Conforama, mais ça m'aurait bien servi si je l'avais su quand j'ai ameublé mon appart. AliExpress, Europe Car, y a vraiment plein de trucs. En gros, si vous voulez, ça touche à toutes les catégories, que ce soit voyage, déco ou lifestyle. Donc c'est vraiment très très complet sur le site. Enfin de toute façon le site il est très clair. Vous avez juste à vous inscrire, à savoir que l'inscription est gratuite. Une fois inscrit, vous cherchez les catégories que vous souhaitez et ça va vous rediriger automatiquement vers le site et le cashback sera appliqué directement. En gros, en passant de Letty Shop au site, vous n'avez rien à faire à part faire votre achat et votre cashback sera de retour dans votre cagnotte une fois que la commande sera confirmée. Sachez que vous pouvez aller soit sur leur site internet, qu'ils ont une extension qui est facile et rapide d'utilisation, mais il y a également une application mobile, donc ça c'est archi méga pratique pour les gens comme moi qui kiffent faire leurs achats sur leur téléphone. Aujourd'hui mes amours, ce que je peux vous proposer, c'est évidemment pas un code promo que l'inscription est déjà gratuite, mais en tout cas si vous inscrivez avec mon lien que vous retrouvez en description, vous obtenez un compte premium qui est de base payant, donc une utilisation en compte premium sur Letty Shop pendant une semaine qui vous permettra en fait d'expérimenter la fonctionnalité première, surtout c'est d'avoir un taux de cashback très élevé. En gros, vous allez avoir une augmentation de 30% sur les cashbacks et ça c'est hyper 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 agréable. Donc si on a un cashback par exemple de 20%, une augmentation de 30% sur ces 20%, ça vous fait passer le cashback à 26%. Je ne suis pas forte en maths, mais je pense que ça vous pouvez y arriver. En gros, tu prends 30% de 20%. Enfin, tu prends t'as une augmentation de 30%. Tu les rajoutes à ces 20%. 30% de 20%, ça fait 6. Du coup, ça fait 26% d'augmentation.
sais pas si vous avez compris le bail. Sachez mes amours que si vos potos ils sont pas inscrits sur les t-shirts encore, vous pouvez parrainer, et en les parrainant en fait, dès qu'ils vont faire un achat sur un site au minimum de 20 euros, vous allez tous les deux récupérer 5 euros de bonus sur votre cagnotte les t-shirts. Donc franchement c'est non négligeable. À savoir qu'en plus sur les t-shirts, comparé aux autres cashback, vous pouvez récupérer votre cagnotte à partir de 10 euros cumulés. Donc ça peut aller très très vite. N'hésitez pas à aller en description pour choper le lien de Letty Shop. En tout cas, je suis trop contente d'avoir bossé avec Letty Shop pour pouvoir faire mes achats, parce que ça m'a permis de faire des grosses économies. Je vous laisse avec la suite, avec le générique, et on se retrouve juste après le générique pour mon dîner presque parfait que j'ai organisé grâce à Letty Shop. Ya ya ya. Bon bah bienvenue à la soirée d'Halloween. Merci. Vous avez l'air ravis en tout cas. Vous êtes tous beaux. J'ai super faim, c'est pour ça. Ok. Je vous explique rapidement le concept. J'ai déjà expliqué mais why not le réexpliquer. Donc on va faire un dîner presque parfait d'Halloween. Et ils vont me juger sur la déco, l'animation, mais également le repas de ce soir. J'espère que vous allez être sympa. Hein? Cette fois les cons là. Vous m'avez collé un œil dans mes ailes. Non. Si. Bah du tout. Arrêtez de balancer des ailes de partout, c'est grave. En tout cas, j'espère qu'ils vont être sympas. Ils vont avoir rendez-vous aux chiottes, comme dans un dîner presque parfait, juste après, pour me noter. Ils sont indisciplinés. Mais bref, donc c'est parti. Indisciplinés. Qui veut goûter mon punch spécial Halloween composé du sang de tous mes ex? J'étais vraiment trop heureuse de ma blague et... vraiment, bah, le sang de mes ex, quoi. Mais c'est quoi dedans? C'est le sang de mes ex, dont notamment trinquons à cette soirée d'Halloween. Des bonbons ou un sort. C'est ce que tout le monde préfère ici. On va faire un sort. Moi aussi. Et un sort. C'est sympa. Il est plutôt pas mal en tout cas. Je vous montre rapidement quand même la déco de table. Voilà. Tout fait grâce à Letty Shop. Donc, merci encore à Letty Shop d'avoir sponsor cette vidéo. On est très contents. Très heureux d'être là. And happy Halloween. Quoi? Merlil bilingue. Bien évidemment qu'après ce petit repas formidable que je vais leur proposer, qui a été pas préparé par mes soins, hein, vient de chez Mika Sushi. Donc on remercie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des sushis à Lyon. Ils sont cachers, donc franchement foncés, ils sont trop bons. Je vais préparer le repas. Bah ça va se ressentir dans la note. Mais bah t'as foutre. Moi j'en ai déjà 4. Attends, t'as pas des mouchoirs, des papiers. Pardon, je suis une mauvaise hôte. Bon, un point. C'est excellent. C'est bon, hein, Mika. Très très bon. La semaine Christmas, c'est pas mal. Franchement, j'ai l'impression que c'est les meilleurs sushis pour moi. This is Halloween, pumpkin scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, till the neighbors gonna die of fright. That's our time, everybody scream. Tu penses, ça va? Non. Oui. Maintenant, pas de ciseaux. Pour aller voir. 3 coups. Attends, il y a pluie. Non, il y a pas de pluie. Non. Bah, chez elle, il y a pluie. Ils sont incroyables. Ils sont un peu malades, quoi. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Pierre, feuille, papier, ciseaux. 1-1. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Pierre, feuille, papier, ciseaux. 2-1. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Je te coupe. 2-2. Non, mais non, il y a 2-2. Mais malade. Si, il y a 2-2. Preuve à l'appui, je te jure, il y a 2-2. Décisif là. Je suis pas bien. La Champions League des pierres, feuilles, papier, ciseaux. Pierre, feuille. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Ah, Priscilien. Ouais. Vous êtes attendu pour l'animation. On est marrantes là. Nous, on est trop belles. Toutes les trois. Ah, on va. Je te dis direct, si je tombe sur vomi, je vomis. Et puis, hein. Saint-Félicien, can you go back to the camera and look if the microphone is on? How can I know? If it's green, it's on. Green. Okay, so it's perfect. It's can you come perfect. With us? Of course. You're gonna be cool. You can take a chair or sit on the table. I don't know how you can do or be too busy. Bah c'est bon, t'es parfait là. Ah ouais, c'est bon, prêt. On va la voir, Alexia, je pense. Non mais demain, moi je travaille. Attends, j'ai une vie d'adulte, hein. Mais non. Arrête. J'ai bougé la caméra. Arrête. Donc on va jouer à Jelly Belly Challenge. C'est ces petites merdouilles là. Donc j'ai bien mis deux paquets, comme ça on a bien plus de chance
de tomber sur de la merde, voilà. Du coup, on va tous prendre la même couleur. Et plus le sort vous êtes favorable. Chaque fois, t'as deux goûts, un goût bon et un goût pas bon. C'est toi et ta chance. Donc, on va commencer par cela. Mais c'est moi qui choisis. Non, on prend la même couleur. Bah oui, mais c'est moi qui choisis. Je suis sûr qu'elle les a par cœur, les parfums et les couleurs. Pas du tout. Moi, je pense que c'est eux qui vont prendre. Les verts, les petits taches verts. Les petits taches verts. Et le sac sur toi parce que tout va manger au mien. Non, là, ça va, c'est poire juteuse. Crotte de nez. Crotte de nez, ça va. Le sac sur toi. Non, mais crotte de nez, ça va. 1, 2, 3. Je crois que j'ai poire. J'ai poire. Bah non, parce que j'ai poire aussi. Peut-être j'ai crotte de nez, ça me dérange pas. Ouais, c'est bon. C'est vachement sucré, moi. Alexia, la crotte de nez. Moi, c'était bon. Ta crotte de nez. Marie, elle faisait bien. Moi, j'ai crotte de nez, en fait. J'ai le poire, moi. Elle a dit, moi, j'ai pas poire. Bon, moi, parce que c'était sucré, c'était sucré. Ouais, moi aussi je trouvais ça sucré. Je suis content, j'espère que ça va. Elle a... En fait, je crois que c'était crotte de nez, moi aussi. Bon, moi c'était cool. Ouais. On va passer au. Non, non, je suis pas vomi, hein. Moi je peux pas. C'est quoi, moufette? Hein? Alors là, ça va être moufette ou réglisse. Ah, mais c'est quoi moufette? C'est quoi moufette? Regarde la traduction. Dis Siri, t'es quoi une moufette? J'ai trouvé ceci sur le web. Ah, mais dans la dent. Mais regarde le traducteur. Oh, plutôt. Oh non! Ah! Mais comment ça peut avoir un goût, putois? Putois ou quoi? Réglisse! Non, mais t'es malade ou quoi? Les deux, j'aime pas. Moi aussi, c'est réglisse, putois. Comment ça peut avoir un goût, putois? C'est genre l'odeur du peigne du putois. Ok, vu que c'est mon anniv aujourd'hui, eau de vaisselle sale ou gâteau d'anniversaire? Ok, alors choisissez-en un. C'est toi et ton destin là. Par contre, moi, si c'est eau de vaisselle sale, je vomis. Hein. Je comprends pas. Allez. Celui qui reconnaît de haute vaisselle sale, vous êtes trop bizarre, ça. Mais ça veut dire que t'as déjà goûté de l'eau de vaisselle sale. Oh. Haute vaisselle sale. Ouais, c'est un goût liquide vaisselle. Mais pourquoi t'as fait sans nous? C'est dégueulasse. Et moi, je à peine croqué, j'ai senti du. Et toi? J'ai failli faire bibi dessus. Liquide vaisselle. Liquide. Moi j'ai de la chance, hein. Liquide vaisselle, moi. C'est horrible. En plus c'est du liquide vaisselle pas cher. Science, bi. T'es convulsé. T'es du convulsé. La vie de ma mère. Le jaune. Tu sais qu'en vrai vaisselle sale c'était pas mauvais pour de la vaisselle sale. Oh mais t'es bizarre toi. T'es chelou. T'es étrange mon frère. Mais réglisse ou moufette. Par contre, si c'est putain. Eh, t'as pris mon truc. Tu veux le putain. Non, c'est. T'es sûr quelqu'un va faire un échange? J'en suis. À prendre ou à laisser un échange? Non, mais pour j'en suis. 3, 2, 1. Pardon. Réglisse. Ah là, j'ai réglisse. Moufette. Oh, t'as réglisse. J'étais sur réglisse, mais c'est un plaisir. J'ai réglisse. C'est moufette. Elle a craché sur la. C'est horrible. C'est avec quel goût? Attends. Tu veux réglisse? Non, je veux rien. Comment tu vois? Comme les fouteux. Bon, on passe sur ça. Œuf pourri ou popcorn. Mon rêve, c'est de tomber sur popcorn beurre, je vous le dis. Vraiment. Et c'est quoi l'autre? C'est œuf pourri. Oh non, non. Ah oui. C'est vraiment horrible, œuf pourri. Je vous dis parce que je suis déjà tombée dessus. Mais t'as joué combien de fois ce jeu? C'est horrible. J'ai joué avec... C'est horrible. Mais on a vraiment vomi. Okay. Un, deux, trois. Oh. Je sais pas ce que c'est. On va faire un truc cool. Noix de coco ou lait avarié. 1, 2, 3. Je sais pas ce que j'ai. Mais lait, on dirait le. A few moments later. Moi je passe sur pudding au chocolat. Ah non. Ou bouffe de chien là. C'est horrible. 1, 2, cra. Allez. Croque. Un croque. Ça a pas de goût. C'est quoi le goût? Nourriture. On va faire punaise ou. Ah non, 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 mais punaise. Et comment on peut connaître le goût d'une punaise? Ou guimauve grillé. Moi je pense que j'ai moins d'âge. J'espère que c'est pas punaise. Moi si c'est punaise, je vais vomir. 2, 3. Je peux pas. Attends. Bon là je suis obligée de couper parce que j'ai vraiment, vraiment clairement vomi. C'était le goût le plus atroce de ma vie. Sur ça.
cette belle note de punaise, on va s'en arrêter là pour l'animation. J'espère qu'elle vous aura plu. De toute façon, on verra ça avec les notes, mais... Bah là, moi, déjà, je te sous-note, je te mets en dessous de la moyenne. Bref, on se retrouve tout de suite pour le dessert, parce que là, c'est plus possible. À vous, les studios. Action. Bon, déjà, il faut que je vous présente le gâteau. Il est trop, trop beau. J'avais déjà fait un gâteau chez elle, et franchement, ils sont incroyables. Happy, foutu, Halloween. Là, je vous reçois bien, quand même. On adore. Évidemment, pour accompagner ce joli gâteau, rien de mieux qu'une petite bouteille de champagne rosé by Nicolas Feuillet, l'homme de la situation. Can you open this photo bottle de champagne, please, mister? S'il te plaît, casse pas la baraque. Viens. Mais ouh. Du coup, j'ai fait des très grosses parts de gâteau parce qu'ici, on est que des gourmands. Qui veut l'araignée? Non. Par dépit. Messieurs, dames, vos assiettes, s'il vous plaît, et merci. This is On va passer au vote, les rendez-vous dans les chiottes. Ça s'est bien passé? De quoi? La soirée en général? Bah oui. Parce que t'as l'air un petit peu dépité. Non, pas du tout. On va commencer par la déco. Je mets 5. Que du coup, on t'a aidé à faire les magasins et tout. Donc on a un peu choisi la déco. Donc niveau surprise, c'était pas trop ça. Et t'es une grosse p***. On continue. Pour le repas de cette soirée, quelle note mérite? Donc je compte tout. Tout. Le gâteau, les boissons, le cocktail avec le sang de mes ailes. Attends, et t'avais pas d'entrée en plus? Bah je mets 6. Mais c'est horrible ce que tu fais. Je mets 6 parce que du coup t'as même pas fait à manger. T'as commandé des souches, le gâteau super bon et il y avait pas d'entrée. Donc bon voilà quoi. Un minimum. Bah tu vas prendre tes guenilles et tu vas quitter cet endroit. Non et... par contre le sang de tes ex c'était top. Coucou. Du coup ok très bien. Alors Alexia, combien mets pour l'ambiance générale de la soirée? Niveau ambiance je mets 8. Ok. Parce que franchement ouais c'était pas mal. On a bien rigolé. J'ai failli vomir mais bon on passe. Pas grave. On a chanté. Et bah voilà quoi. C'était bien. C'était quoi. Déjà pas mal je trouve. Ok. Bon c'est un peu long par contre je trouve. De quoi la soirée? Ouais. Tu veux rentrer retrouver Hérisson? Bah, exactement. D'accord. Tu es libre Alexia après cette TV? Love you Hérisson. Par contre t'es pas une très bonne maîtresse de maison je dirais. Ça c'est dur hein. Peut-être t'étais un peu bref t'allais un peu de partout. Un mot pour finir? Bah love you quoi. Allez me too. See you. Hello ma petite Maëlle. Hello. C'est ta première ITV? C'est ma première. T'es stressée? Pas du tout. Ouais. Avec elle on n'est jamais stressé. Ah ouais je mets à l'aise hein. Tu me mets en confiance. Pour l'ambiance générale de la soirée, quelle note me mettrais-tu? Pour l'ambiance générale je dirais un 5. Mais ça va pas ou quoi? Mais t'as pas donné ton avis? Mais pourquoi ça? Ouais c'est mon avis. Parce que c'était pas au top du top. Il y avait la moitié du temps que t'étais sur ton téléphone. Toi t'as un problème avec mon téléphone? J'ai un problème avec ton téléphone. Tu t'es pas occupé de nous. T'étais plus occupé à ton téléphone qu'à nous. Et je faisais quoi sur mon téléphone? Bah je sais pas hein. Demandons à un putain. Tu occupes tes pensées. Pour la déco. La déco, je mettrais 8. Ah, ça c'est une bonne note. 8 et je mets pas 10 parce que on m'a lancé des yeux dessus. Mais la déco était top. J'étais dans le thème. Tu as donné du tien. T'étais totalement dans le thème. Ensuite, du coup, pour le repas. Alors, le repas, je mettrais 3. Quoi? Pourquoi? Parce que c'était vachement ghetto. On nous a apporté des plateaux de sushis dans l'emballage. On nous a fait mettre de la sauce soja dans l'assiette. C'était vachement ghetto en fait, c'est ça que... Il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas d'apéro, il n'y avait pas... Il y avait juste les sushis dans une boîte en carton. Donc 3. Mais t'es rude. Mais c'était bon, mais 3. Parce que c'était pas du tout préparé avec soin. Non mais en fait... Excusez-moi, votre ITV elle est terminée. T'as mis plus de cœur à te déguiser qu'au reste. Donc du coup, je mettrais 0 même. Non, 3 quand même. 0 c'est non, rude, voilà, t'as eu de la chance. On aime Mika Sushi donc ça va. Bah merci Maëlle, un mot global sur la soirée, un mot de la fin. Bah c'était marrant parce qu'on était ensemble et voilà. Ok, waouh. Monsieur, vous êtes trop grand pour être en ITV. Ah, ça c'est le problème, je m'en vais.
suis ravie de vous recevoir en ITV hein. Du coup monsieur Cyprien Saint-Félicien ou monsieur Précilien comme son nom original, quelle note mettriez-vous à la décoration de table? Je mettrais un 8. Ah mais t'es sympa toi hein. Je mets un 8 parce que la décoration était vraiment réussite niveau Halloween. Par contre il manquait des serviettes et c'était un peu compliqué de se mettre du sang sur les doigts et après regardez. Ok bah merci pour cette note, vous êtes très sympa, je n'ai rien à rajouter. Ensuite pour le dîner de ce soir, je mettrais un 8 aussi. Merci. Je mets un 8 parce que j'aime beaucoup les sushis, surtout ceux de Mika. Mais par contre niveau présentation des plats, c'était pas top, c'était dans des plateaux. Et un gros donc, je relève ses notes, la moyenne sinon. Lui de conquis à Dubaï. Et pour terminer monsieur Cyprien Saint-Félicien aka Précilien, quelle note mettriez-vous pour l'ambiance générale de la soirée? Pour l'ambiance je mettrais 6. C'était sympa, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Surtout que bah, on m'a fait bouffer des trucs dégueulasses quoi. C'est parce qu'on m'a fait bouffer du, ouais, mais bouillie, du liquide vaisselle. La punaise. La punaise, voilà. Mais sinon c'était génial. En tout cas bah, je vous remercie pour toutes ces jolies notes parce que vous avez été très sympa. Et comme on le dit souvent, c'est les filles qui sont les plus grosses. Voilà, les plus grosses jalouses. Et je voudrais aussi un mot de la fin, monsieur. Bah, c'était une très bonne soirée d'Halloween. Je suis ravi d'avoir fêté aussi un peu en avance. Mais c'était génial. Et je vous dis à l'année prochaine du coup. Bon les gars, j'ai enlevé mon corset parce que j'en pouvais plus. Cette vidéo elle est terminée. Il y a certaines personnes que je n'inviterai plus jamais à mes soirées, que ce soit d'Halloween ou général. Maëlle, tu n'es plus la bienvenue chez moi, sache-le. Alexia, je ne reviendrai plus chez toi et Hérisson. C'est dit, c'est fait. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai trop kiffé la tournée. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne soirée d'Halloween, même si c'est le couvre-feu. J'espère pour vous que vous m'avez souhaité mon anniversaire parce que sinon le karma il s'occupera de vous. Mais ça je l'ai déjà dit en début de vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas kiffé, un pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à tous mes réseaux sociaux et aux réseaux sociaux de ces invités qui sont un peu des bâtards quand même. Abonnez-vous surtout à Priscilla, les deux autres elles puent. Retrouvez leurs réseaux sociaux en bio. Merci également à Letty Shop d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Ya ya ya.